Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, samedi 29 juillet 2017, on va parler d'encodage de NVENC. Alors, c'est pour répondre à un petit message qui m'a été envoyé sur ma boîte mail linuxtricks.fr en me demandant est-ce que c'est possible d'activer NVENC sur Calculate, et donc ça va fonctionner sur Gentoo aussi. Donc, petite recherche sur Wikipédia de NVENC, voilà. NVENC, donc il n'y a pas de résultat, par contre, voilà, on doit l'avoir en anglais, voilà. Donc NVENC, c'est une fonctionnalité dans les cartes graphiques NVIDIA pour faire de l'encodage H264. Ça évite en fait d'utiliser beaucoup de CPU, puisque vous voyez ici, Simple Screen Recorder qui enregistre, voilà, il prend du CPU, parce que tout simplement, il encode avec le processeur Intel. Et en fait, NVENC, ça permet d'encoder avec la carte graphique, avec les possibilités du GPU, donc de la carte graphique. Donc forcément, le CPU est moins sollicité et ça peut être plus rapide aussi pour l'encodage. Donc ça a été introduit à partir des NVIDIA GeForce 600 série en mars 2012. Donc ça tombe bien, mon PC il date de juin 2012, j'ai une 650M, donc ça a marché. Donc je vais vous montrer comment ça se met en place. Alors, moi, le truc, c'est que j'ai une carte NVIDIA Optimus, LSPCI, VGA, voilà. Donc, j'ai une carte NVIDIA GeForce 650M, et elle est Optimus, puisque c'est une carte hybride avec un processeur graphique Intel. Mais ça fonctionne aussi avec Optimus, et ça fonctionne même très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on active NVENC sur Calculate, et après... je vais vous montrer comment paramétrer par exemple Simple Screen Recorder, mais après tout logiciel qui supporte le pilote, on pourra utiliser ça. Donc si je fais FFMPEG, parce qu'en fait tout se passe avec FFMPEG, je vais mettre ça en grand, voilà, on voit ici, donc là, le média vidéo FFMPEG, donc là c'est FFMPEG qui est en version 3.2.4 sur Calculate. Donc toutes ces options sont actives, hein, tous ces use flags sont activés, donc FFMPEG est compilé avec tout ça, enfin le binaire qui est offert par Calculate, et tout ça c'est désactivé. Voilà, tout ce qui est en bleu c'est désactivé. Bon, alors, ici c'est activé aussi en 32 et en 64 bits, ça c'est à cause de Steam. Donc, ici on voit qu'on a un use flag qui s'appelle NVENC. Donc si on essaye d'avoir des infos, query, U pour avoir des infos sur les use flag média vidéo FFmpeg, il va nous donner la liste de tous les use flags et ce à quoi ils correspondent. Et ce use flag NVENC, il permet d'ajouter le support pour le NVIDIA encoder NVENC API pour de l'accélération graphique pour encoder avec les cartes NVIDIA. Donc c'est tout con, on va dans, enfin on se connecte en route et on va ici ajouter dans le fichier package.use etc portage package.use custom, on va ajouter donc en bas de la liste NVENC pour FFMPEG. Voilà, donc on ajoute la ligne ici et on dit qu'on va ajouter le use flag NVENC. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va faire un peu de ménage, tiens, au passage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 DD. Voilà. Ça, je vais le garder. RPM, ouais, bon, c'est bon. Firefox, j'utilise plus. Donc, 5 DD. DD, voilà. Donc, voilà. On ajoute ce média vidéo FFmpeg NVENC. On enregistre, échappe ZZ. Et donc maintenant, si on fait un emerge-pv-ffmpeg, vous allez voir, donc pvp pour pretend, on simule l'installation à nouveau de ffmpeg, et v, et ben tout simplement pour verbose. Et comme ça, on va avoir plus d'infos. Voilà. Et donc ici, on voit que le flag use flag nvenc est activé à nouveau. Et là, on a Media NVIDIA Video SDK. Donc le SDK, il va... Le SDK
Nvidia va s'installer en plus. Donc, emerge-u pour mettre à jour, ffmpeg. Et donc là, je vais mettre à jour ffmpeg. Voilà. L'erreur qui est ici, vous inquiétez pas, hein, c'est juste que j'ai un paquet qui est... ah merde, U. N, pardon, voilà, faut lui dire quand même que on le met à jour avec les nouveaux flags de compilation. Sinon, on peut faire un emerge ffmpeg puis on le réinstalle, mais c'est un peu crado, vaut mieux passer par une mise à jour. Et donc, je disais le message d'erreur qu'il y avait là-haut, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai un paquet qui est installé qui n'est plus supporté. Voilà, donc là, Nvidia Video s'installe, c'est un binaire, et puis là, vu que ffmpeg de calculate n'est pas disponible avec. Avec cette option nvenc, puisque c'est vraiment spécifique au Nvidia, eh ben, il va compiler ffmpeg sur la machine. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'installer un paquet tiers et tout ça. Tout se passe directement dans le paquet ffmpeg. Donc là, je vais laisser s'installer, je mets la vidéo en pause et je reviens une fois que c'est installé et compilé, parce qu'il y en a pour un petit moment de compiler ffmpeg. Voilà, donc l'installation, enfin la compilation est terminée, et l'installation est terminée également. Donc vous regarderez l'horloge pour savoir à peu près combien de temps ça a mis pour compiler sur mon i7, hein, LSCPU. Moi j'ai ça comme processeur, hein, un Intel Core i7 à 3,3 GHz en mode turbo. Voilà. Donc maintenant, ffmpeg, il est compilé, il est là, et il est compilé avec notre nvenc. Alors maintenant, je ne vais pas fermer le terminal parce que j'en aurai encore besoin. Voilà. Donc, là, si je lance par exemple Simple Screen Recorder pour faire une vidéo avec nvenc. Donc ici, dans Codec, on va dans Autre et cette fois-ci, il apparaît nvenc, nvenc H264, nvenc HEVC. Voilà, donc on les a, les codecs nvenc. Ils sont là. Alors, si on prend nvenc H264, là, pour un PC qui a une carte Nvidia dédiée, hein, qui n'a que ça, là vous faites... Alors, non, je remplace pas mon fichier parce que sinon, ma vidéo, elle fera rien du tout. Donc, au 2, voilà. Continuez. Et là, si je démarre, blam ! Impossible d'ouvrir le codec. Alors, si vous avez une carte Nvidia normale, ça devrait fonctionner. Sauf que ici, vu que j'ai lancé Simple Screen Recorder de manière normale, avec une carte Nvidia Optimus sous Linux, on peut pas utiliser la carte Nvidia si on ne lance pas le logiciel avec la commande OptiRun. Donc on fait OptiRun Simple Screen Recorder. Donc là, il suffit juste d'éditer le raccourci qui lance Simple Screen Recorder pour mettre OptiRun devant. Et donc là, ça va lancer Simple Screen Recorder avec la carte Nvidia, avec le support de la carte Nvidia. Et donc après ici on fait continuer, donc continuer, là on prend notre nvenc, continuer, donc là j'écrase mon out 2, c'est pas la vidéo que j'enregistre, oui, et là j'enregistre et blam, et voilà, donc ici ça enregistre bien avec Nvidia nvenc. Donc là en plus il dit que l'encodeur est deprecated. Bon, c'est peut-être parce que ma carte ne supporte pas le H265, mais il vaudrait peut-être mieux utiliser le H265. Ça, je sais pas. Voilà, et donc là ça enregistre. Donc je sauvegarde l'enregistrement. Ah non, j'aurais peut-être dû continuer d'enregistrer à nouveau. Donc out 2, oui, enregistré. Et donc là, si je reviens dans là, dans le moniteur système, processus. On va même faire autrement. On va lancer htop. Et là, on va... Donc, on va trier. On va même filtrer par simple screen. Voilà. Et on va afficher... Alors, attendez, je sais plus comment on fait pour afficher tout. Show process... je voulais voir tout le chemin. Tout le chemin du process. Alors, je sais plus comment on fait.
Tac tac tac, TweetView. T, voilà. Donc, on va juste réduire le zoom. Zoom arrière, voilà. Donc, vous voyez, en fait, ici, le Simple Screen Recorder, il utilise 130% du CPU. Donc, on voit qu'il encode avec le CPU, puisqu'il utilise 130% du CPU. Donc, un logiciel peut utiliser jusqu'à 800% du processus du CPU, puisque j'ai 8 cœurs. En fait, là, c'est 100, 200, 300, 400, 500, 600, jusqu'à 800. Donc là, le Simple Screen Recorder normal, il prend 130% du CPU. Et le Simple Screen Recorder qui est lancé avec OptiRun, eh ben, lance Simple Screen Recorder, mais il ne bouffe que 23% du CPU. Donc, en gros, on a, à mon avis, on a 100% du CPU qui fait fonctionner... 100% de un CPU qui fait fonctionner l'encodage et 25% du CPU qui utilise, qui traite le son, tout ça. Et donc là, on a 23, ces mêmes pourcentages qui font la même chose, le son, qui gère tout ça. Et le 100% d'encodage CPU, eh ben, il est envoyé au GPU. Donc tout simplement à monsieur Nvidia. Voilà. Et du coup, ben, on voit que finalement, là, on le voit bien ici, 24. Et 128, qu'il y a vraiment un encodage qui se fait plus par le CPU, mais par le GPU. Et la vidéo, elle n'est pas crado du tout. Hein. C'est-à-dire que si j'enregistre là ma vidéo, et que j'ouvre mon out 2, donc là, attendez, je vais juste couper le son parce que c'est pénible de s'entendre, voilà. Mais vous voyez, c'est fluide et ça fonctionne avec NVENC. Voilà. Donc c'est tout simple, activer. Hein. Il suffit d'activer le use flag qui va bien. Donc, NVENC. NVENC dans etc portage package.use custom, hein, vous mettez ça pour rajouter l'option NVENC. Vous faites un emerge-un ffmpeg pour mettre à jour ffmpeg, et après, eh ben, vous lancez votre logiciel, vous sélectionnez le pilote NVENC, ou bien si vous avez une carte Optimus, vous lancez avec OptiRun le logiciel, hein, et vous pouvez enregistrer avec NVENC, voilà. Alors par contre, juste une toute petite précision par rapport à Kden Live. Si on lance Kden Live avec OptiRun, eh bien, ça fonctionne. Ici, donc, là, si on va dans rendu, il liste bien le pilote NVENC. Il est là, NVENC. Ils sont là, ils sont bien, ils les voient bien, les vidéos codecs. Sauf que, eh ben là, ici, on les a pas. Voilà, dans la liste des formats, ici, on les a pas. Donc, il y a peut-être une astuce pour avoir NVENC dans Kden Live. Donc là, je vais juste virer parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà, mais on peut peut-être créer un profil, voilà, et puis ici, dans personnaliser, on peut peut-être mettre ici vcodec NVENC, là. C'est ici qu'on peut peut-être modifier. Bon, faudrait tester, je n'ai pas testé, je ferai peut-être un petit essai pour voir ce que ça donne. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.